Coucou la famille, aujourd'hui je viens avec cette nouvelle astuce. Beaucoup de filles m'ont écrit en privé, la caviar, j'ai un souci, j'ai un retard, je ne sais pas comment faire. Vous ne deviez pas attendre quand il y a le retard des années avant de commencer à faire cela, ma chérie. L'accident, ça peut arriver partout. Parfois lors du mougouli. Tu peux être avec un mogot qui se tourne par derrière, il retire le plastique et tout. Et à ta grande surprise, tu vois que l'eau est déjà dans toi, ma chérie. Tu ne sais pas quoi faire. La pilule du lendemain est chère. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller payer. Même pour mettre les implants et tout là, c'est risqué aussi. Parce qu'il y a des femmes qui mettent arrivé à un certain niveau, elles n'arrivent plus à concevoir. Donc, c'est les raisons pour lesquelles moi je viens avec cette astuce naturelle qui peut vous aider, les filles. Toi qui n'utilises aucune méthode contraceptive, cela peut t'aider, ma chérie. Quand tu finis de faire le mougouli avec ton mogo et que tu suspectes que tu peux tomber enceinte, que tu sois dans ta période ou pas, ma chérie, pas de panique. Ce que tu vas faire, tu vas prendre 7 grains de pépins de papaye comme tu vois sur l'image. Tu vas mâcher, tu avales. Tu prends un verre d'eau. Tu mets une cuillère à café de sel. Tu tournes le mélange et tu bois. Fais cela 3 fois par jour, même le lendemain. Donc 48 heures, 72 heures, ma chérie. J'attends ton témoignage. Cette astuce est naturelle, mais c'est très, très efficace. Tu vas venir faire ton témoignage, ma chérie. Ça va aller laver tout ce qui est dans ton ventre. Ça va sortir. Donc, quand tu fais le mougoulet, que tu suspectes qu'il peut y avoir accident de circulation, ma chérie, fais cette astuce. Ça peut t'aider. Si tu as aimé la vidéo, ma chérie, n'oublie pas de liker et partager la vidéo pour sauver les femmes qui attendent 1 mois, aller enlever la grossesse. Retirer quand il se fait encore tôt. Voilà. À connaît pas, à demander. Je vous souhaite une bonne journée à vous. Je ne sais pas l'heure que vous regardez cette vidéo. Bon courage à vous, mes caviars. Bisous.